Zombie apocalypse. Yo tout le monde, c'est Brian et bienvenue sur ma chaîne Pleurdaï. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Daigon. On se retrouve pour l'épisode 22. Alors là on est en train de faire une mission. Je crois que c'est l'autre. Le mec à chaque fois qui est carrément défoncé là. Alors la mission est déjà lancée. Du coup on est en pleine mission. À quoi? Hop, on va faire la piste ici. T'es à moi maintenant. Alors du coup c'est parti, on va aller le chercher. Alors. Apparemment c'est par là, par là. Faut que je trouve le moyen d'entrer. What? Ok. Bon, ce que je vais faire c'est que... Merde, je me suis fait repérer. Ok. Je vais essayer de buter le sniper encore qui est là-bas. Ok. Ça va, ils sont pas beaucoup. Hop. Non, toi, c'est pas la peine. Non, ça sera. Ah voilà. Ah non, je pensais que c'était l'autre, mais non, c'est pas... Ah, je crois que c'était le jeune, moi, qui était défoncé, non? On va voir. On va bien voir. Pourquoi? Ouais, les boîtes de munitions, je vais les prendre parce que ça me paraît chelou, là. Alors. Ah bah oui, c'est lui. Putain, mais qu'est-ce qu'ils me font... Dis comme ça. Comment ça va, Taylor? Merdé, mec. Bon, est-ce que là tu retournes au camp, mon gars? Il devait pas être là. Le doc était un chic type. Putain, il m'a aidé, bordel, il m'a aidé. Allez, lève-toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non, pas la corde. Hey, écoute-moi, Taylor. Tu te balances sur tes sons dessus pendant que tous ces connards regardent à vous se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Les laisse pas me prendre. Putain. Merde. Pitié. Ok, Wade. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? J'arrive à le tuer comme ça. Ouais, c'est toujours mieux que d'être pendu, hein. Saint John. Je suis là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Overdose. Putain de merde. Sortez le corps de là. On laisse jamais un cadavre au milieu. What? C'est quoi sa tête à l'autre là? Elle est carrément explosée.
je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux. Oh, nickel, on n'aura pas besoin de faire la route. Alors ? Quand on l'a trouvé, il était déjà mort. Overdose. On a l'essentiel des médicaments, mais pas tout. Comme si le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride. Comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées et dénuées d'âme. Rapportez ça à l'infirmerie. Mais cette fois, ne nommez pas un junkie à ce foutu poste. Oui, chef. Pas content. Ok. Oh, pas mal la petite, petite couleur là. Du coup, on a quoi? Alors on a cette mission là, mais le problème c'est que ça me fait un peu chier de la faire en vidéo parce que du coup, vu que c'est souvent les missions comme ça, c'est souvent la même chose. Il faut aller, il y a un camp par exemple, il faut aller buter tout le monde, faut rechercher un mec, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant et puis ça prend du temps. Au niveau des vidéos, ça dure un peu plus longtemps pour les épisodes. Du coup, de toute façon, je pense que celle-ci, je vais la faire hors vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre vraiment une vraie mission, enfin de la vraie histoire, et puis on se retrouve juste après. Bon, on a Sarah qui nous a appelé, faut qu'on aille la voir parce que apparemment elle a trouvé, je crois que c'est le remède ou un truc comme ça. Et du coup, faut qu'on parte en mission avec, du coup, c'est parti. On va aller voir. Ouais, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Ah, tiens. Ouais, du coup, c'est ça, c'est bien un remède. Il va falloir qu'on aille chercher un zombie. Pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à deux doigts d'y arriver. Mais c'est chaud parce que si on l'endort et que le zombie arrive à se barrer, s'il bouffe tout le monde dans le camp, ça va être un bordel monstre. Oui, chef. Deacon, tu me reçois ? Eh, je partais justement te chercher un tétard. On doit aller où ? Par là ? Ok. Super. Il m'en faut un bien précis, d'accord ? Oh, une seconde, attends. Un tétard bien précis ? Au sud d'ici, pas loin de Ring Drive, tu trouveras un cottage de vacances. Une colonie d'enfants infectés y a élu domicile. Ok. Ok, appelle-moi quand tu seras sur place. Terminé. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Bon, on va se rendre sur place déjà et on va voir. Ça vaut le détour. Saint John au rapport. Capitaine, je suis en mission pour le lieutenant Whittaker. Je vais être pris pour un moment. Entendu. Venez me voir quand vous aurez fini. Nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver. Terminé. Weaver aura terminé son projet avant Sarah. Sarah, j'y suis. Ok. Cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge. Bon, je suis obligé de recommencer parce qu'en fait, j'ai tué la fille qu'on devait prendre. En fait, j'ai mis un coup de batte de baseball sans faire exprès dans la gueule. Et elle est morte net. Comme lui un peu, voilà. Et du coup on peut pas se mettre au loin. Ah mais dégagez vous, vous faites chier. Je te tiens, saleté. Hop. J'aurais dû le voir venir. Oh non merde. J'aurais dû prendre ça plutôt, voilà. Dégage. Putain, y'en a encore. Mais il est où le dernier là? Putain. J'ai envie de gueuler, monte ta vieille face là. Voilà. Allez. Du coup c'est bon, voilà. T'en voulais un vivant? Madame est servie. Ouais bah j'espère qu'elle passera bien la route. Oulala. Oh putain, bordel de merde. Oh. Hé, hey, capitaine. Il a pissé sur ma bécane. J'ai bien peur que le colonel ait interdit les animaux de compagnie sur l'île. Le lieutenant avait besoin d'un cobaye vivant. Vous avez l'air de bien vous entendre. Le lieutenant Whittaker et vous. Ah oui, c'est vrai, lui nous avait vu. Que ça reste professionnel.
Il les avait vus en train le de s'embrasser. Une fraternisation entre les conscrits et les officiers. Oh non, non. C'est pas vraiment mon genre, chef. Bien. Allons-y. Oui, chef. Allez, aide-moi. What? Super ton franchise. Ouais, leur physiologie est complètement à l'ouest. Mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve pas le bon dosage. Attends, tiens, prends ça. Mais... C'est long. Attends, encore quelques secondes. Putain de merde. La vache. Eh ben... Je sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais ça agit vachement vite. Oh non, fais chier. Ah, elle a cherché peut-être pas un truc pour tuer, mais pour guérir peut-être. Tu fabriques pas une arme biologique, tu... Oh bon sang, tu cherches un remède? J'ai cru qu'en récupérant la souche originelle de Cloverdale, je pourrais créer des anticorps à partir du virus, par rétro-ingénierie. Oh merde. Et là, tout ce travail, tout ce que j'ai accompli est bon pour la poubelle! Alors debout, souffle un bon coup et réessaie. Ah, du coup, il va falloir qu'on aille rechercher des trucs, je pense. Pour t'as aller. Pas vu ce qui s'est passé ou quoi? Chaque cellule dans le corps de cette gosse a explosé. Raison de plus pour pas jeter l'éponge. Quoi? Parce que oui, c'était une gosse. T'as une idée de combien de ces saloperies j'ai tué? Et jamais, pas une seule fois, je me suis dit « Ah ouais, tiens, c'était la gosse de quelqu'un. » J'ai rencontré une fille une fois. Elle parlait des mutants de la même façon que toi, et elle disait qu'ils étaient tous malades. Je trouvais ça dingue, mais elle les regardait avec les mêmes yeux que toi. Donc tu crois que tu... Non, non. Je crois que t'es la première personne saine d'esprit que je vois en 2 ans. Tu sais, je me rappelle encore de la nuit où je t'ai perdu. Mais là, je réalise... que c'est pas la nuit... où j'ai monté dans l'hélico. C'était celle d'après. Vous aurez moi, on est arrivé dans le camp de réfugiés où t'étais censé être, ok? Sauf que ça grouillait, mutant. Les hélicos étaient en flammes, les gens hurlaient, il y en avait tellement. Alors on s'est battu, on a gagné. Résultat des courses, des corps, des cadavres, partout. Je les ai tous vérifiés. Chaque visage, il devait bien y en avoir 1000, peut-être plus, mais je les ai inspectés un à un. C'est l'ennemi où je t'ai perdu. Et Boozer. Boozer, il a fait de son mieux pour m'aider à garder la tête hors de l'eau pendant 2 ans. Moi, j'en avais plus rien à foutre. Tout ce merdier. Et puis, j'ai aperçu l'hélico du Nero dans le ciel. Ça m'a comme ranimé. Je me suis dit, ouais, en fait, mais putain, je plaque tout. Car si elle est vivante, je la retrouve. Et quand ce sera fait, on partira ensemble sans se retourner. Parce que je veux pas faire partie d'une milice. Je veux pas faire la guerre ou même vivre dans un camp. Alors, pourquoi tu es resté là? Pourquoi? Mais pour toi. Pour tout ça. Ah oui, elle est con. Ça pose cette question-là. La plupart des gens essayent juste de survivre, mais toi. Merde, tu cherches à sauver le monde. Ouais, bah. C'est pas suffisant, on dirait. Alors, debout. Essuie tes vêtements. Et recommence. On va retourner à Cloverdale. Ils sont mieux équipés, on va fouiner plus loin dans leur projet. Tu m'aiderais. Tu ferais ça. Oui, bien sûr. Je t'aiderai parce que tu crois en cette chance. Renonce pas. Là, quand on va retourner là-bas, on va peut-être voir Boozer et puis tout.
On ira au nord. Ouais, cap au nord, on leur dira qu'on part se ravitailler. Sauf qu'on reviendra pas. Non, on désertera. Tu sais que s'ils nous coincent, c'est la corde directe. Et on finira ensemble. Oui. Dick, le colonel te demande. J'arrive. Prends tes affaires, je reviens. Merci. Ah, on va se barrer peut-être. Aux ordres. Caporal St. John. Colonel. Suivez-moi, je vous prie. Oui, chef. Tout est prêt à l'emploi. Les motos sont chargées. Je suis pas sûr de vous suivre. Le lieutenant Weaver a terminé son arme. Il est temps de la tester. Et comment ? Prêt à faire flamber une horde ? Ah ouais, d'accord. Quoi ? Un problème, caporal ? Non, chef. Non. Cool. Ça va faire mal. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. En avant. Lieutenant Weaver, avec moi. Oui, chef. Ah, je pensais que tout le monde venait moi. Ah, je pense qu'on devrait. Je pense que vous devriez rester ici et me laisser faire. Vous êtes dingue, vous voulez mourir ? Non. C'est pour ça que je pense devoir y aller seul. Écoutez, même avec les Molotov boostés de Weaver, on n'aura jamais une horde entière du premier coup. Non. Donc, je pense qu'il faut que je descende. J'attire leur attention, je m'arrange pour ferrer un petit groupe et je cours comme un dératé. Il faut que je trouve un moyen de les ralentir, peut-être, en posant quelques pièges. Et puis je les fais tous sauter. Écoutez, si on se pointe tous les deux là-bas, ça va être un putain de chaos. On va seulement se mettre en danger l'un l'autre. Non, vous restez ici et vous couvrez mes arrières. Si ça dégénère, vous venez me tirer de là à moto. Sauf si vous avez une meilleure idée. Non, j'en ai pas. Bon, ben voilà. J'ai d'autres Molotov, des munitions, dans mes sacoches. Ah, nickel. Ça risque de me servir. Ok, ben on va prendre tout alors. Hop, on prend des munitions. Et on est parti. Let's go. Il me dit mais où les grenades comme ça lui Ok, il me les met là. Ok, bon, on va prendre ça. Bon, dites-moi votre plan. Comme je disais, trouver un moyen de les ralentir. Ces enfoirés aiment bien s'agglutiner et se monter les uns sur les autres. Si je trouve un espace étroit entre deux camions, des bâtiments ou un truc du genre, ça leur prendra un moment pour passer. Et quand je les aurai distancés un peu, vous les ferez tous sauter. Bingo. On répète l'opération deux ou trois fois, et on peut dire adieu à la horde. C'est votre plan. Entre deux camions. C'est mon plan. Bonne chance, Saint John. La chance a rien à voir là-dedans. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Okay. J'arrive. Je vous vois. Dites-moi s'il vous faut de l'aide. Okay. On va tirer comme ça. Ou pas? Ouais, je crois que j'ai toute la horde. J'avais l'écro! Je suis là! On va prendre ça, on va bien voir. Bougez, ça me va vite! Faut pas me le dire deux fois! Wouah, c'est carrément chaud! Wouah! J'avais pas vu tout ça! Wouah! Y'a pas deux camions et trois? Ah, il me faut un truc pour courir. C'est quoi déjà? D'endurance? Ok, il faut ça.
John, tirez-vous de là. Ok, ok. On va gérer, on va la gérer celle-ci. On va essayer de se démerder. Y'a pas un endroit où je peux passer plutôt tranquillement. Je vois pas du tout franchement. Quand il parlait de deux camions un peu stylés, trois. Bon, on va essayer de refaire celle, le truc là et puis. Mais ils passent partout en plus, ces enfoirés. Wow, bon, ça risque de prendre du temps, je pense. Oh là là, c'est un carnage. Ah bon? Vous n'avez pas remarqué, hein? Le monoton de Weaver marche. Je vois les flammes d'ici. Assez clair. Ouais, à mon avis, on a pas dû faire comme il voulait, je pense. Si on continue comme ça, ça peut le faire, ça peut le faire. On peut se débrouiller, je pense. Ouais, je pensais qu'il y en avait un petit peu moins, mais en fait non. Ouah, c'est un carnage. Ah, je crois que ça allait exploser ça, mais non. Non, 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 je fais quoi? Pep. T'arrêtes pas en plein milieu, t'es fou toi. Malade lui. C'est bon, on l'a, la fin de mode. Bon, alors toi par contre. C'est bon, on va les avoir. Il nous reste plus grand chose. Ça va être un peu chiant par contre avec ce pont là. Mais j'ai rien d'autre. La horde est juste au-dessus de vous. Mais non, y'a plus rien, qu'est-ce que tu me racontes? Dites-moi que wow. Je crois que ouais. C'était un petit peu. Je crois que c'est la première que j'attaque vraiment. Et bon, on s'est plutôt bien sorti. Hein. Je me suis bien démerdé. Ça a mis du temps, ça mais on l'a là. Fait. Bon, je vais récupérer un peu tout ça parce que je récupère toutes les oreilles pour me faire de la prime, bien entendu. Et on va se retrouver directement. On se retrouve directement là-bas à côté du capitaine. Le lieutenant Whittaker, elle répond pas. Vous avez réussi. Weaver a réussi. Oh. J'avais jamais vu un truc pareil. Vous aviez un train d'avance sur eux ou quoi? Vous avez déjà eu une horde aux fesses? Ça stimule la libération d'un ennemi. Ouais, bah je crois que. En fait, on n'a pas fait ce qu'ils voulaient vraiment. On a gagné cette guerre. Parce qu'on s'en est même pas servi du truc. Alors, en fait, quand j'y pense, on s'en est vraiment pas pratiquement pas servi parce qu'à chaque fois, c'est bon, bah lui, on les jetait à côté. Ça a marché? Vraiment désolé. Va falloir changer vos plans. Parce que ça a marché. Vous auriez dû voir ça, on leur en a mis plein la gueule. Génial! On va fêter ça ce soir, au mess des officiers. Super! Qui sait qui va avoir une promotion? Hé, hey, vous venez?
Vous savez quoi? Je vous rattrape. Il faut que je règle un dernier truc. D'accord, comme vous voulez. C'est le dernier. Attention à ne rien casser. Ces objets sont... irremplaçables. Qu'est-ce qui se passe? Où est le lieutenant? Caporal Saint John. Excusez-moi, chef. Ce n'est rien, fiston. Le personnel essentiel affecté au R&D a été déplacé. Déplacé? Où ça? C'est que je dois lui livrer le matériel qu'elle m'a demandé. Je comprends. Il y a eu un... Allons faire quelques pas. Venez. Oh là là. Ordre du colonel. Matt, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas m'enfermer ici. De retour, capitaine. Et l'éternel dit à Noé... Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Car je t'ai vu... juste devant moi parmi cette génération. Matt, mais de quoi parlez-vous? Je suis désolé, lieutenant. Faites pas ça! Colonel, attendez! Hé! Hey. Ça va. Ça va. Madame, j'ai le matériel que vous avez demandé. Entrez, suivez-moi. Je travaille sur un nouveau projet. C'est du poison, cette fois. Écoutez, soyez prudent quand vous cueillerez cette plante. Sans ça, vous pourriez mourir. Compris. Je vais te sortir de là. Je te remercie. Oui, madame. C'est à propos du tableau de service. Ne le faites pas attendre, caporal. Oui, chef. Ok, du coup, faut qu'on aille voir... Votre nom a été mentionné dans le cadre d'un futur projet important. Ne faites pas de vagues et vous pourriez bien être promu rapidement. What? Oui, chef. Comment ça? Terminé. Quel projet? C'est par où? C'est par là? Chef, je venais... Vous savez, quand j'étais jeune, on aimait bien explorer des grottes dans ce genre. À la recherche de pétroglyphes, de gravures faites par les Modok. Il y a des milliers d'années. Ils ne vivaient même pas dans ces grottes, vous savez, les païens. Dans le froid et l'obscurité. Et regardez-nous. Voyez à quoi nous en sommes réduits. Colonel, le soldat qui était affecté au lieutenant Whittaker et Weaver, celui que vous remplacez, il a déserté. Il a pénétré dans mes quartiers et volé ma Bible personnelle. J'entends bien la récupérer. Oui, chef. J'ai noté sa dernière position connue. Le mec, il avait pas vu une table en or. Rompé, capable. N'importe quoi. Bon. Du coup, il nous propose quoi? Alors. Faut. Hein? Ah oui, c'est ça, un discours. Et là, on doit faire quoi? Pas vraiment. Hein? Allez voir Weaver. Bon, on va aller le voir. Oh, mais lui aussi, il est arrivé là! Oh, Caporal Saint John, entrez, entrez, visez un peu mon petit chez moi. Ouais, j'adore la nouvelle déco. Ah, l'histoire de fou. Qu'est-ce qu'il m'aurait fait si je m'étais planté? Une grotte plus froide de ce côté, là-bas. Ouais, j'en ai entendu parler. Elle a tout aussi mal pris que moi. Ouais, c'est pas faux, besoin de quelque chose? Non, mais ça. Vous savez quoi? Il y a un service que vous pouvez me rendre. Vous entendez? Non, quoi? C'est ça. Rien. Le colonel n'est pas vraiment du genre mélomane, vous voyez. Il doit être mélonique. Non, c'est la danse. La danse? Et les mélonites, ils adorent la musique. C'est la danse qui leur pose problème. Bon, bref, oubliez ça. Sans doute. Je vous crois, on s'en fiche. Il me faut un lecteur MP3, des écouteurs, bref. Du son, quoi. C'est une blague? J'ai l'air de blaguer? Ok. Merci. C'est n'importe quoi. Il me faut vivant, caporal. Il faut qu'on sache ce qu'il faisait ici. Ce qu'il bon, je suis arrivé sur place. On est en train de chercher son MP3 là. Oui, colonel. Je ferai de mon mieux. Comme nous tous, caporal. Ah. Rompé. Et là. Voilà le bingo. Le voilà. Ok. J'espère que ça en vaut la peine, Weaver.
Alors du coup, faut qu'on retourne au camp. Bon bah c'est parti, moi je vais faire la route et puis on se rejoint directement là-bas. Alors on va écouter ce qu'il va nous dire O'Brien. Retrouvez-moi aux coordonnées que je viens de vous envoyer. Terminé. Aux coordonnées? Ah ouais, ok, ça marche. Ok. Bon bah du coup, pour la prochaine fois, ce sera pas mal ça. On aura pas mal de missions, on aura ça à faire. Faut qu'on aille voir O'Brien. On fera ça. Là, je vais juste rendre le MP3 et puis on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Donc, on se retrouve au camp. Bon, on va leur donner ces écouteurs à J. C'est là. Hey, qu'est-ce que ça a donné? C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, mais mette-moi un peu ce qu'on a là. Oh! Waouh! Vous êtes mon héros, mec! C'est cool. Merci. Besoin d'autre chose, Weaver? Vous avez besoin. Ok. Hey, Caporal St. John! Vous êtes un mec bien! Vous êtes un vrai frère de cœur! Ok, bon, bah super. Par contre, j'ai remarqué un truc, je sais pas, tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait une petite mission, bah, un truc à écouter du colonel, et la mission a disparu. Je sais pas du tout pourquoi, pourtant j'ai pas eu de truc, je ne sais pas. Du coup, voilà. Donc pour la prochaine fois, je sais pas s'ils vont la remettre ou pas, je sais pas. Donc j'ai une mission qui a disparu comme ça, je comprends pas pourquoi. Enfin bref. Donc voilà, donc pour cet épisode, on va se laisser là. Donc si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter et même de partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Donc voilà, donc moi je vous dis à plus. Salut !